Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le ministre des Finances, avant de vous adresser mes deux petites préoccupations, je m'en voudrais de ne pas saluer les performances du département ministériel dont vous avez la charge. Face aux crises économiques et financières auxquelles notre pays est confronté, il convient à cet effet de saluer particulièrement la réponse apportée de manière prompte et efficace, j'allais dire efficiente, aux revendications légitimes des enseignants du secondaire, en attendant que cette même performance soit appliquée le cas échéant aux enseignements du primaire. Monsieur le ministre, face à la persistance donc de ces crises économiques et financières, et dont la conséquence est le recours permanent à l'endettement pour équilibrer le budget de l'État, les agents de l'État dont nous faisons l'écho ici s'inquiète parce que, redoutant que ne se profile l'horizon, le spectre des coupes des salaires intervenus à la fonction publique dans les années 1990. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer qu'on n'évolue pas vers cette éventualité? Ma deuxième préoccupation, Monsieur le ministre, c'est au niveau du déficit budgétaire qui semble être devenu chronique ces dernières années dans notre pays. Quels pourront être à terme, j'allais dire à moyen terme, les conséquences de ces résultats, de ce constat dans notre économie et dans la gestion des finances publiques? Merci, Monsieur le ministre, pour vos éclairages. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole. J'en viens au sénateur Maman. Merci, sénateur, pour vos félicitations. Vous aussi, vous avez parlé des enseignants du secondaire par rapport aux enseignants du primaire. Je viens de vous donner la réponse. Et vous avez dit, pouvez-vous nous rassurer que nous n'évoluons pas vers la coupe des salaires? Vous avez parlé du problème du déficit budgétaire. Bien, je vais immédiatement citer cette question pour arriver au sénateur Mbelamoubi. Je vais vous dire pourquoi je mélange les deux. Sénateur Mbelamoubi, I would like to thank you for your work. And I see the issue you are raising. You say that you are expecting something. You are the Senate. You are expecting something. And you would like to see the Minister of Finance doing what you want him to do, as far as you are concerned. But why would I, do I see a link with the question of Senator Maman? He's talking about, est-ce que nous n'évoluons pas vers le dessin? This is why I want you to see a link. There is a link. Qu'est-ce que j'ai envie de dire, sénateur, vous êtes des représentants? Je vous parle en tant que ministre des Finances, c'est-à-dire quelqu'un qui vit la réalité de nos finances publiques. Je suis heureux, sénateur, lorsque vous dites est-ce que nous n'évoluons pas vers la coupe des salaires. Je veux déjà vous tranquilliser pour vous dire la réponse, c'est non. Mais je me félicite de cette question parce que il faut peut-être que chacun d'entre nous se rappelle que la coupe des salaires a déjà eu lieu.
Ça veut dire que c'est une hypothèse qui est probable ou possible. Pas probable, je veux dire possible. Ça peut arriver. Et ça peut arriver quand? Ça arrive quand vos dépenses commencent à être supérieures à vos revenus. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous avons un pays qui a une certaine richesse, qu'on appelle le PIB. Comment le PIB évolue-t-il? C'est-à-dire la richesse. Mais peut-être qu'il serait bon qu'on compare ça à l'évolution des dépenses aussi. Et si par inadvertance, vous avez une évolution des recettes qui est moins importante que l'évolution des dépenses, vous êtes en train d'aller vers là où vous avez peur d'aller là. Mais moi je suis heureux quand le sénateur Mélamouki me dit vous avez des avantages. Donc, moi, je suis là pour donner les avantages. Je ne suis pas vieux de la loi. Mais ce serait bien, quand même, tant que vous regardez vos avantages, ce serait également bien que vous assuriez que vos revenus sont susceptibles d'absorber tous ces avantages. Car ça, c'est un. Nous devons être sérieux et responsables. Je ne vous le cache pas. Lorsque, par exemple, le premier ministre nous convoque, parce que le ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur a fait une demande pour le recrutement, alors il faut qu'on fasse un concours pour les écoles normales, pour les enseignants, etc., etc. Donc, quand le ministre des Finances va dans ce genre de réunion, c'est pour aller le rappeler. Ces dépenses doivent être soutenables. Et moi, je le rassure, c'est 35% des recettes fiscales. Je ne me casse pas la tête. 35%. Quand vous commencez à y passer 35%, vous mettez beaucoup de choses en ordre. Nous avons les revendications des enseignants, qui sont des revendications légitimes. Et le chef de l'État l'a dit. Elles sont légitimes. Il faut donner suite à ces revendications. Mais, dans le même temps, il faut qu'on réfléchisse sur la meilleure technique de recrutement des enseignants. En tant que ministre des Finances, je suis obligé, si je ne le dis pas, personne ne le dira. Et on risque d'aller dans une situation qui peut être malheureuse. J'ai suivi le rapport du sénateur à maman, lorsqu'il est revenu sur la différence que j'ai faite à la commission entre le ministre SUP et le ministère. Qu'est-ce que j'avais dit ce jour-là? J'avais dit, je ne le cache pas, je le dis devant le premier ministre, chaque fois que la raison s'est déjà. C'est qu'il est quand même curieux que d'année en année, on pose le même problème. À savoir, il y a déficit des enseignants, il y a déficit des enseignants, il y a déficit des enseignants, c'est vrai, c'est vrai. Plus on crée de lycées, plus on crée de collèges, plus on crée de CS, plus on crée une demande d'enseignants. Nous tous ici, nous avons dans nos villages souvent à payer nous-mêmes de nos poches certains enseignants, c'est vrai. Mais il y a aussi un autre problème, et il faut avoir le courage de regarder ce problème en face. C'est que les administrations sont pleines des personnes qui ont été recrutées pour enseigner. Et qui sortent de l'école normale, vont dans leur ministère. Mais l'enseignement des pères, et comme l'enseignement des pères, le besoin est toujours là. Donc, ça devient un peu. Mais décisif. Travail décisif, comme on dit, on fait, et puis le problème revient, le problème revient, le problème revient. Allez dans le ministère, vous allez avec. Et quand je faisais la comparaison, c'est pourquoi? C'est parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, le problème se pose aussi, sauf que le problème a été réglé d'une manière qui me semble, bon, si je peux me permettre de faire un jugement. Qu'est-ce qu'on a fait là? Il y a une prime que les professeurs d'université touchent, je ne sais pas, prime académique, prime de recherche, je ne sais pas comment ça. Il y a cette prime qui existe. Et le ministre d'État a dit aux enseignants,
Moi, je vais continuer à vous verser cette prime, mais à condition, même si vous travaillez dans les ministères, ils sont partout, moi-même jamais, au ministère des Finances, ils sont aussi dans les ministères, sauf que. On leur a dit la prime, vous continuez de la toucher, si vous dispensez un certain nombre d'heures cours. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que ces enseignants-là, quand bien même ils sont affectés dans notre département ministériel, mais l'enseignement ne les perd pas. Puisqu'ils donnent toujours le cours, sinon on leur extrait tout. L'enseignement secondaire, c'est différent. Ceux qui sont partis, ceux qui sont dans le ministère, ils ne sont plus à l'enseignement. Ils m'ont même été rapportés que même ceux qui travaillent au ministère de l'enseignement secondaire, c'est-à-dire leur propre ministère, parce qu'ils sont là, ils ne touchent plus à la crème. Mais il me semble quand même important qu'un problème comme celui-là doit être regardé. Il me semble. Peut-être que ça va diminuer, peut-être que ça va pas régler le problème, mais peut-être que ça va un peu diminuer le problème de manque des enseignants. De même, on peut s'interroger sur, je ne suis pas technicien en matière, mais sur le nombre d'heures de cours dispensées par les enseignants. Peut-être. Parce que quand moi je lis les rapports, j'ai l'impression que certains n'ont pas suffisamment de cours. On peut même s'interroger sur les affectations des enseignants. C'est-à-dire que je suis professeur de mathématiques, je n'ai peut-être que 10 heures dans le lycée ou l'école, mais peut-être que je peux aussi donner 5 heures dans le lycée de Montréal. Je t'ai n'importe quoi. Mais toutes ces réflexions-là, à mon avis, mériteraient d'être menées. Et là, j'en reviens à ce problème que le sénateur m'a posé, que j'ai relié à cette heure de la matinée, c'est que quand vous devez recruter, vous recrutez, c'est bien, mais le ministre des Finances, son rôle est toujours de se dire, oh, est-ce que j'ai le droit de payer tout ça? Est-ce que j'ai le droit de payer tout ça? C'est mon rôle, pas parce que je suis méchant, pas parce que je ne veux pas qu'on recrute. Vous avez dû apprendre que même au niveau de la santé, presque 40%, si ce que j'ai eu, si je me rappelle bien, 40% c'est des vacataires. Ah, ils demandent à être recrutés, et je me mets à leur place, ils demandent à être recrutés. Mais moi, quand on va me dire recrutez-le, je vais regarder ce que ça fait. Pour que je me pose la question, est-ce que je serai en mesure de soutenir, pas seulement maintenant, mais demain, après-demain. C'est pour ça que je remercie beaucoup le sénateur Mama pour la question. C'est ce qu'on appelle la soutenabilité. Est-ce que c'est soutenable? Madame de la Mouquet, excusez-moi si pour votre question je mélange les deux. Mais je voulais vous dire, moi, vous savez, les avantages, quand c'est dû, c'est dû. Ça vous revient, ça doit vous revenir. Moi, à chaque fois qu'on m'a dit qu'il y a quelque chose qu'il faut faire, moi je fais. C'est vrai qu'on me dit souvent des choses quand je demande à mes collaborateurs, mais ce qu'on doit faire, ça, ils me disent non, c'est pas prévu. Mais quand on doit le faire, on le fait. Mais moi, je suis prêt à examiner au cours d'une session avec vous sur les risques d'insoutenabilité de certains charges. C'est un problème extrêmement important. Si vous le négligez, vous allez vous retrouver une fois dans une situation qui devient insoutenable. Et quand vous avez un budget qui ne peut plus soutenir certaines charges, soit vous allez vous endetter, on va revenir encore sur cette histoire de s'endetter, soit alors vous allez vous dire, c'est trop lourd, donc il faut soit réduire les salaires, hélas, soit faire des compressions des effectifs, hélas. Voilà la réalité des choses. Sénateur de la Mouquet, I hope you understood what's my problem. So I agree with all what you said. We are ready to pay what you have to receive. But you have to see, first of all, is it due? If it's due, do we have enough resources to do that? But it's not our intention not to pay what we have to pay to it. Yeah. Alors, sénateur, maintenant je reviens donc vers vous. J'ai été un peu long parce que j'ai voulu mélanger les deux questions.
Je vous rassure que à l'heure actuelle, nous ne pensons pas aller vers la coupe des salaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et là je reviens sur la question du sénateur Gaïa, comme il fallait trouver 400 milliards, on les a cherchés ailleurs. D'où la coupe du budget des administrations. Vous auriez préféré couper les salaires, non? Préféré couper, on a coupé, ça nous permet de préserver les salaires des agents de l'État. Alors, vous avez dit, sénateur, bon, le déficit budgétaire semble être devenu chronique dans le pays. Bon, alors, si j'ai deux choses, sénateur. La première chose, je me rappelle toujours, quand j'étais à l'université, dans mon cours de finances publiques, on nous disait, c'était le professeur Poncho, que la théorie classique veut justement que le budget soit toujours équilibré, pas les déficits. Mais la théorie moderne a d'ailleurs inventé un principe qu'on appelle le principe du déficit systématique, c'est-à-dire celui de produire ce qu'on appelle Keynes. C'est-à-dire c'est cette théorie qui dit, même si vous êtes en déficit, si vous faites par exemple des grands travaux, des travaux qui vont vous donner de l'argent, même si vous êtes en déficit, ça n'est pas grave. Parce que ces déficits, ces grands travaux vont produire des recettes et les recettes, vous allez résorber tous ces déficits. C'est pour ça que, même au niveau de la CEMAC, comme dans tous les grands pays, je vois ça à la CEMAC, je vois ça en Afrique de l'Ouest, à la CEDEAO, je vois ça dans l'Union Européenne, et tout, et tout. Vous ne verrez dans aucune de ces organisations qu'on dise déficit zéro. Non, ça n'existe pas. À la CEMAC, qu'on dit ne dépassez pas 3%. Ne dépassez pas un déficit de 3%. Ça veut dire que le principe du déficit est acquis. Monsieur le sénateur, vous allez faire comment? Vous vous rappelez, je vous parle toujours de ça ici lorsque nous parlons de la dette. Je vous dis, faites attention. Vous ne voulez pas avoir de déficit, bon, c'est bien, vous ne voulez pas être endetté, c'est bien. Mais c'est l'intérêt d'accepter que vous n'ayez pas de route non plus. Puis vous mettez chez vous. Acceptez que vous n'ayez pas de barrage pour avoir de l'électricité. Acceptez que vous n'ayez pas de dispensaire. Parce qu'il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas s'endetter. Il ne faut pas. Mais lorsque un pays veut se développer, il est obligé de faire un certain nombre de choses qui peuvent entraîner un déficit. Déficit qui est couvert par la dette. Pourvu que tout cela, je reviens encore sur l'expression, que tout cela soit soutenable. Et c'est le cas du Cameroun. Vous n'avez jamais appris que le Cameroun est en défaut de paiement, nous payons notre dette. Mais là encore, il faut bien s'améliorer. C'est-à-dire des bons projets, des projets qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent et donc de rembourser la dette. Alors, vous avez dit, on a dans le déficit chronique. Je voudrais vous dire que ça fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés dans le programme avec le Fonds monétaire international. Au début de la crise dans les années 2015, avant que le choc le président de la République n'organise le sommet ici à Yaoundé de la CEMAC, le déficit budgétaire au Cameroun atteignait déjà le 6% du pays. 6%. Alors nous avons fait un travail colossal. Colossal pour être là où on est maintenant. On est à 2% maintenant. Et l'objectif à terme est d'aller encore en dessous de 1%. Même comme au niveau de la CEMAC, on parle de 3%. Donc, habituons-nous à ce terme. C'est vrai que dans le langage courant, quand vous êtes déficit, on voit déficit de caisse, on voit quelque chose de mauvais, vous êtes en prison. Non, non, non. Dans la gestion moderne, le déficit est là. Et nous travaillons justement pour aller en dessous de 2%. C'est 2% cette année, même que c'était appelé, c'est toujours dans les 2%, mais à la fin du programme, nous sommes à peine 1,5%.